11 septembre 2001, quatre attentats éclatent sur le sol américain. Rachel Schneller, consul des États-Unis à Toulouse, était à Washington ce jour-là. Au moment où les attentats arrivaient, c'était très difficile de comprendre ce qui se passait. Bon, il y avait beaucoup de gens qui pensaient peut-être c'était un accident. C'était pas tout de suite évident que c'était du terrorisme. Et on savait pas où aller. Oui, parce que si on allait partir quelque part, où est-ce qu'on allait partir? Parce qu'on avait cette sensation que nulle part était safe. Un traumatisme toujours présent. Mais aujourd'hui, les nouvelles générations ne semblent pas partager la même émotion. Quand je parle aux jeunes, ils savent, ils connaissent l'histoire, mais d'une manière académique. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Quant à un éventuel impact du 11 septembre sur le conflit actuel avec la Syrie, Rachel n'a pas souhaité s'exprimer et s'en remet aux propos du président Barack Obama.